Avant eux, de nombreux gitans ont connu la scène. La musique, la danse, le chant font partie de leur tradition depuis des siècles. Ah, c'est à lui, là. Si tu veux dire la vérité. Mais le théâtre n'a rien de naturel a priori pour Nathalie, Thierry et Cacès. Qui arrive? La fatigue de la journée. Alors, on s'est arrêté au milieu du travail. On reprendra demain à l'aube. Moi, j'ai fait maintenant la bonne. Ces ambassadeurs du peuple gitan sont des comédiens amateurs. Le reste de la troupe est composé d'artistes professionnels. Demain, ils se produiront sur une scène parisienne, devant un parterre de connaisseurs. Honnêtement, je me disais, c'est un truc de fou, ça, c'est quoi? Le théâtre, c'est pas le théâtre. Donc, pour moi, c'est pour la vérité, c'était un truc de fou. Hein. Mais après, bon, après, j'ai aimé, et après, je me suis rendu compte que c'est beau, quoi. C'est la façon de s'exprimer, ça me plaît. Sur la scène du cirque électrique à Paris, ils vont jouer leur propre histoire. Il est là, regardez-le. Celle de leur peuple. La mise en scène est signée Benjamin Barou-Crossman. Après une courte nuit, dernière répétition. Pour plus d'authenticité, le metteur en scène a fait appel à ses gitans du sud de la France. Est-ce que c'est vrai que vous êtes des machos dans votre culture? Les machos, c'était une époque, c'est pas vrai, c'est toujours des préjugés. Si vous reprenez... Son spectacle s'intitule El Duende. El Duende, c'est ce qu'on n'explique pas, ce qu'on a dans nous. C'est l'âme, comme il dit. C'est l'âme gitane, en fait, que... Qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce feu qui est dans nous qui brûle. Eux, ils apportent cette force vitale, et nous, d'une certaine façon, on les encadre. Ouais. Enfin, on les encadre dans le sens artistique. Ouais, artistique. Dans le métro, les gares, ou encore à Montmartre, Thierry Patrac joue les animateurs sur le net. D'ici une bonne heure, on sera au cirque électrique et on continue toujours à faire du live. Il ne se sépare jamais de son portable. Leur aventure théâtrale est suivie à distance par la communauté gitane. Ils seraient 100 000 dans le sud de la France. Voilà, l'âme gitane. On le partage avec tout le monde. C'est pas que pour nous. Et à Paris? Eh bien ici, il n'y a que des métros et ça fait toujours que je suis dans les métros. Et j'ai mangé chaque but et j'en peux plus. Et à bientôt. Allez, dites au revoir. Ciao, ciao. Ce soir au cirque électrique, le public rendra son verdict. Allez.